Voilà, ça avait beaucoup de résonance avec nos enjeux sociétaux et ce en quoi on croit. Mardi 17 octobre, la boutique solidaire du Collège Beaumanoir, les élèves des 3e SECPA et leur professeur Madame Roy étaient à l'honneur. En effet, c'est le jour où ils ont reçu le prix Edmond Proust de la MAIF. Donc voilà, vous avez pu voir par vous-même qu'ils sont fiers, hein, c'est leur lieu. Edmond Proust était un instituteur laïque et républicain. Il était pendant l'occupation de la France un chef de la résistance et l'un des membres fondateurs de la MAIF. Ce concours récompense des initiatives permettant l'accès à l'éducation pour tous. Qu'est-ce qui vous a décidé à choisir la boutique solidaire pour y attribuer ces prix? Edmond Proust. Parce que c'était un projet très innovant et puis qui à la croisée de plein de choses. Ça fait sens par rapport à tout ce qui est éducation pour toutes et tous, mais aussi en lien avec l'économie circulaire, plein de belles valeurs qu'on aime beaucoup nous, ou dans des projets dans lesquels on aime s'engager nous à la MAIF. Donc voilà, ça avait beaucoup de résonance avec nos enjeux sociétaux et ce en quoi on croit. Et c'était aussi pour récompenser un travail au long cours qui a été mené depuis 2018. Et voilà, là, le moment du café, du café dans la boutique, et ben on s'est dit que c'était une bonne idée de les récompenser maintenant. Merci. Merci à vous. C'est un prix qui représente beaucoup pour les membres de la boutique. C'est pas tous les jours qu'on a des grosses sommes comme Voilà. ça, quoi. Mais c'est la première fois qu'on va remporter le diplôme et voilà. Fait un autre Ça fait du diplôme dans bien la de boutique. remporter le prix, sachant qu'il y avait bah, plein de projets qui voulaient ce prix-là, alors que c'est nous qui l'avons gagné. Ça fait du bien. C'est un nouveau prix dans la boutique parce qu'on en avait déjà, du coup c'est un autre prix dans la boutique, ça va rajouter la déco un peu à la boutique. Et en sachant qu'on pensait ne pas gagner, bah, au final, bah, on a gagné le prix, quoi. Et on est très content d'avoir gagné le prix. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce prix pour la boutique? On va louer un local en centre-ville pour se faire davantage connaître. Le local, c'est pour le marché de Noël, son plus normal. On va faire aussi un marché de Noël. Et le marché de Noël est pour le 1 et le 2 ou le 3 décembre. Donc, vu qu'on ira au marché de Noël, on va avoir plusieurs habits vu qu'on en a beaucoup trop. Félicitations. Merci.